délicatement. Le bois est sculpté, travaillé avec minutie. Pour certains, difficilement. On essaye de s'entraîner autour et de faire une toupie et c'est super compliqué, super dur. Il y a plein de petits gestes à faire simultanément, avancer, pousser, gérer l'outil. À travers ces ateliers, Damien Duval partage son savoir-faire, sa technique locale du bois. Expliquer le métier d'artisan d'un côté, raconter l'histoire et la richesse du matériel de l'autre. Il y a des gens qui découvrent un peu le bois, qui ne se rendent pas vraiment compte de toutes les possibilités qu'on a avec le bois. Je veux dire, on peut très bien construire un chalet, fabriquer un meuble, faire des bateaux. On peut quasiment tout faire au niveau de la construction avec du bois. On est sur des métiers de tradition finalement, de tradition et des métiers qui ont tendance à se perdre un peu aussi. Donc c'est plutôt bien de pouvoir redonner un élan à ces métiers qui sont un peu à bout de souffle. Moderniser la profession, lui donner un second souffle. Chaque jour, Damien est accompagné d'une designer. Son objectif, apporter au savoir-faire traditionnel une approche futuriste, associer le bois à ses machines numériques et technologiques. C'est des métiers qui se chevauchent quand même. Hein. Voilà, le designer, il est aussi pragmatique parce qu'il va maqueter, il va faire des choses, mais il ne finit pas lui-même avec ses mains un objet. L'artisan le finit lui, il a un savoir hyper pointu sur une technique. Un dialogue entre la main et l'esprit pour une production commune. La toupie, symbole historique de la création artisanale du bois.